Bien, bienvenue à tous et tous en cette nuit, parce qu'il est déjà 1h du matin, putain. J'arrivais pas à me décider sur quoi j'allais me lancer, et au final, bah, autant lancer Conan, puisque je sais que je vais y retourner de toute façon assez rapidement, et en RP. Donc, je joue un ERP, alors petit récap, je joue un ERP sur PS4, et donc build et compagnie, etc. Et RP à fond, hein, full RP. Bonjour Akita, il va me pourrir le live, je le sens bien. Et... en même temps, t'as le droit, je t'ai pourri le tien. Mais le tien était drôle, du coup. Et du coup... Désolé. Donc, ouais, j'ai joué des milliers et des milliers d'heures sur Conan Exile, sur PS4, en serveur RP, pour finir administrateur carrément du serveur, etc. Donc, voilà, j'ai beaucoup joué. Sur PC, un peu moins. Fort à vengeance si tu veux, mais après prends-toi Conan, tu verras, parce que de toute façon c'est tellement une tuerie, je... Mais voilà, il y a un serveur RP qui est en cours de build et qui est quasi fini, en fait, quasi terminé, qui est hébergé sur GPortal et compagnie, enfin tout le truc, quoi, tout le package. Et en fait, là, je vais pas jouer à ce serveur-là, parce que je crois qu'il faut que je télécharge plein de mods et que je suis à la ramasse, et que j'ai pas la fibre, donc de toute façon, les mods, je les aurais pas eu rapidement. Donc on va se lancer là sur Conan classique, c'est-à-dire on le lance comme si on venait d'avoir le jeu, pour ceux qui ne le connaissent pas, comme ça au moins ça va permettre de voir les mécanismes en fait, le système, etc. Je vais y jouer manette, parce que sincèrement, même si c'est clavier souris, c'est mieux, surtout en étant sur PC, je n'ai joué que manette à ce jeu. Et la dernière fois que j'ai essayé sur PC, bah, j'étais quand même beaucoup plus à l'aise en manette. Si bien sûr j'arrive à démêler ce foutoir entre le casque, le machin, le chargeur du téléphone, ça devrait aller. Mais Kida, t'as déjà essayé toi ou pas Conan Exile, ou tu connais que de nom? Genre tu connais Arc, mais tu connais pas ça quoi. Faudrait que tu me dises. Il y avait Maos qui était là juste avant. J'ai lancé le live, mais j'avais oublié de couper la PS4 et le téléchargement sur la PS4. Donc je pense que ça m'aurait pourri le live, mais en 2 secondes. Il y aurait eu des pixels partout, encore plus que d'habitude. On va essayer d'éviter ce genre de problème. Voilà, je désactive ça. Ça, c'est bon. Normalement, tout est bon. Et si c'est pas bon, bah, il faut me le dire. Conan, je l'ai sur la PS4. Bah ouais, moi aussi. Ah bah voilà, tu connais donc. Mais t'as déjà joué en RP ou pas ? Est-ce qu'il va se lancer déjà? Oh, putain, alors attends. Parce qu'il y a des modes, et les modes, il a dû garder en mémoire les modes que j'avais, mais normalement ils sont téléchargés. Bien que là, les modes, moi je ne vais pas les utiliser pour la partie que je vais lancer. Là. Ça ne sert à rien, ça ne va pas vous parler, puisque vous n'aurez pas les modes. Et bon, à part que j'ai tous les DLC, ça c'est sûr, parce que quand tu commences à build, si tu n'as pas tous les DLC, t'es emmerdé. Donc du coup, j'ai les DLC, mais j'ai pas les... je vais faire en sorte de ne pas activer les modes. Enfin, je vais essayer en tout cas, après ça c'est pas garanti. Quand il se lancera bien sûr. Ah bah il se lance. Par contre j'espère que j'ai le son. Parce que si j'ai pas le son, je suis comme un con. J'ai le son. Alors que tu me dis si c'est pas trop fort, assez fort, machin, etc. Un truc habituel quoi. Normalement, ça devrait être bon. Je l'ai baissé à peu près comme Forza. On passe à la cinématique. Hein. Ça sert à rien. Voilà. Du coup, est-ce qu'il a gardé en mémoire le... Attendez. Mode. Je sais même pas s'il a gardé en mémoire mes paramètres graphiques. Enfin, oh. Sérieux, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas réinstallé le jeu. J'ai cliqué sur mode, déjà je l'ai stressé. Je pense qu'il ne veut même pas l'ouvrir. Le jeu est arrivé. Il a crash. Il a crash là? Non, ça c'est l'interface Xbox, on s'en fout. Non, sérieux, il a crash? T'as pas le droit d'ouvrir le truc du mode. Par contre, il n'y a pas assez de lumière, je trouve. Si, ouais, si, ça fait ambiance tamisée en fait, c'est pas mal. Ah, il a l'air de ne pas avoir apprécié la blagounette, hein, moi je vous le dis. Je vais peut-être pas cliquer sur mode. Regardez, je fais fermer là. Et on va pas cliquer sur mode. Il veut pas en entendre parler, je crois. Wow. Et après, Ender, tu veux que je me remette sur Conan? Putain. J'arrive même pas à lancer le jeu. Attends. On va y arriver. On va y arriver. Regardez, je vais arrêter là. Donc ça va pas marcher. C'est possible. Au pire, je l'arrêterai dans les gestionnaires de tâches. Mais quand ça commence comme ça, c'est pas bon signe. Hein. Ouais. Ah, c'est bon. Mode. Il y a quoi là-dedans? Donc ça, c'est tous mes modes. OK. Qui sont sûrement pas à jour pour le serveur, mais ça, OK. DLC. À part le dernier machin truc, bah ça je connais pas, mais sinon j'ai tout. J'ai même Bill of Siptah là, qu'il faudrait que j'essaye d'ailleurs à l'occasion. Et on va relancer à nouveau. Tout a l'air nickel, à part que le jeu fonctionne pas. Mais tout a l'air nickel, sinon, en dehors de ça. Je commence à avoir trop de jeux qui pèsent plus de 100 Go et c'est pas bon pour mon SSD, ça il aime pas. Il atteint les 80-90% de stockage, donc j'ai dû virer Red Dead 2, ça m'a bien saoulé. Au pire, ça sauvegarde sur le cloud, donc je m'en fous, j'aurais juste à le réinstaller quand je veux faire une session, mais c'est chiant d'être limité par ça. J'ai l'impression presque d'être sur PS5 ou série X, quoi. Un disque dur SSD trop petit, enfin c'est frustrant. Ah, du coup, pour la peine, je vais vous laisser la cinématique. Tiens. Au moins, vous aurez vu ça si ça marche pas, quoi. Nvidia. Heureusement qu'il y a le vin. Hein. Il parle plus qu'il taille, là. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Bah non, ça n'a pas bugué pourtant. J'espère qu'on m'entend en même temps que lui là. Parce qu'il a une grosse voix, Conan. Hein. Conan. Voilà, dans 10 ans, Conan, il sera fait comme ça, le jeu. Nickel, merci. Voilà, je vous ai présenté le jeu, il faut survivre, construire et dominer. Oh, je peux quitter, du coup, c'est bon. On reclique sur... Non, on ne clique pas sur mode. Vidéo. Du coup, on était... Ça, je l'enlève toujours. OK. Champ de vision vertical. Vertical? Ah oui, d'accord. 75, 91, c'est pas mal. Max d'images par seconde. On va laisser 60 pour qu'il soit stable. Qualité des graphismes, tout est en ultra. Bah, c'est bon. Normalement, c'est bon. Est-ce qu'il la garde en mémoire? Ouais. C'est parfait. Je ne sais même plus où est le serveur. Juste voir si je le vois au moins. Attendez. Ah si, il est là. Donc c'est ce serveur-là, si vous voulez y aller. Le mot de passe, il est sur le Discord. Donc après, en commentaire, sur YouTube, ça va vous demander. Mais ça sera indiqué dans la description de toute façon. Mais voilà le serveur. Et du coup, si je clique dessus, il va vouloir me télécharger les modes. Et apparemment, parfois, c'est un peu foireux. Donc, il vaut mieux passer directement par l'interface Steam pour récupérer les modes. Mais bon, je verrai ça plus tard. Là, il n'y a personne de co-dessus, de toute façon. Donc, c'est pas gênant, parce que c'est encore en build, hein, comme je vous avais dit. Donc, nous, on va se faire une session sur notre serveur. Enfin, on va se créer une session, quoi. Activer le mode coop, ouais, pourquoi pas. Ouais, on s'en fout. En fait, on s'en fout. Du coup, non, pas Siptah, je ne connais pas. Après, ça pourrait être un moyen de le découvrir, mais non, on va rester sur le standard. Facile, normal, on peut choisir la difficulté. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah non, 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 non. Moi, je choisis jamais la difficulté sur ce jeu. Qu'est-ce que c'est que ça? Personnalisé. Ah, ça devient trop compliqué. Ouais, on va peut-être faire ça quand même, en fait. Donc, voilà. Le basique, mot de passe du serveur, prout, voilà, j'ai dit en plus à haute voix, hein, tout en majuscule, prout, et mot de passe administrateur, ça je le dis par, voilà, ok, non, non, ça on s'en fout, dégâts dynamiques au bâtiment, non, dégâts, durée des dégâts dynamiques au bâtiment. Je sais plus. Mais de toute façon, on l'a pas activé, donc on s'en fout. Aucun propriétaire. Non. Les contenants n'ont pas de propriétaire. Non. Attends. Si je décoche, du coup, ils ont des propriétaires. Ouais, c'est ça. Activer les tempêtes de sable. Non. Autoriser les repères de cartes pour le clan. Non. Taille max du clan, on s'en fout, mais littéralement. Nudité maximale, oui. Bah alors du coup, la vidéo sera censurée, mais on s'en fout. De toute façon, c'est un taille de moins de 18 ans, point barre. Hein. Au bout d'un moment, arrêtez de regarder, sinon. Moi, je veux voir les tétés. Discussion vocale sur serveur. Oui, allez, vas-y. Le chat de proximité, ça serait bien qu'il y soit, c'est pratique. Confidentialité, journal des événements admin, ok. Durée de la visibilité vocale. Autoriser les comptes avec partage familial. Bon, ça, je m'en tape, les comptes. Du coup, jouer. Il y a déjà une sauvegarde, si vous voulez écraser. Oui, allez. Je sais même plus ce que j'avais fait dessus. J'ai pas mis Siptah. Hein. Non, c'est juste parce que c'est le dernier truc. Ouais, ne faites pas ça. Je connais pas Siptah, j'ai pas lancé dessus. Autant découvrir ce qu'on connaît déjà, quoi. C'est-à-dire la création en mettant les TT et compagnie, quoi. Ben là, ça sera pas les tétés, moi je suis un homme. Mais on va faire un homme. Il est bon ce merlot. Bon, on voit un zizi, je suis navré. J'ai pas le choix, faut que je vous montre un zizi. Mais vous inquiétez pas, on va adapter la taille et tout, on va tout faire. Peuple, en général, je prends ceux du Nord. Voilà. Religion, je prends celui qu'on me donne à chaque fois, c'est-à-dire Ymir. Parce que j'étais Ymir en RP. Enfin, j'étais pas un dieu, mais quand t'es admin, voilà, j'avais le rôle d'un dieu, ça collait au RP, enfin, oh, voilà, hein, basta. Moi, j'avais quelle voix? Ça fait un peu... Bon, elle est instruite, on s'en fout. Je vais juste changer la coupe de cheveux, parce qu'elle me va pas du tout. Et ma coupe de cheveux, c'était... Avec les modes, vous avez énormément plus de choix. Même pour la customisation, vous pouvez tout faire, en fait. Hein. Créer un personnage mais qui vous ressemble comme deux gouttes d'eau, il n'y aura pas de souci. Mais il faut les modes. Sans les modes, c'est pas possible. Enfin, si, c'est possible si vous avez exactement la même tronche que ce mec-là. Ou d'un autre mec qui est prédéfini là-dedans. Mais sinon, vous ne pourrez pas, quoi. Les cheveux. Je mettais ça. Le visage. On s'en fout un peu. Je mettais en général ça aussi. Je vais lui enlever sa barbounette, là, parce que j'aime pas. Les sourcils, je m'en tape. C'est vraiment pour découvrir, donc... comme ça, tiens. Allez. Pilosité faciale. C'est ça qui me gêne un peu. Mais bon, comme il a un peu vécu, on va lui mettre quand même une barbichette. Mais pas celle-là, sûrement pas. Dans les modes, pareil, il y a plus de barbe. Elle est chelou, cette barbe, quand même. Dans les modes, il y a des barbes un peu rasées du deuxième jour, etc. Il y a un peu plus de choix. Ok. Et voilà, ça va être ça. Ça va être un peu le vieux, l'ancien, quoi. Fard à paupières, non. Trait du visage. Donc là, tu peux régler mâchoire, etc. On s'en tape. Enfin, aujourd'hui, on s'en tape. Oreilles, je pourrais lui mettre des grandes oreilles, ça pourrait être marrant, mais on va éviter. La taille, je vais le faire très grand, parce que voilà, j'ai envie d'être très grand. Je ne suis pas très grand en vrai, mais je vais le faire très grand. Nudité totale, ça on est d'accord. Physique, ça c'est la musculature, je crois. Voilà, c'est comment c'est dessiné. Mais écoutez, j'aimerais bien être comme lui, là. Donc je vais mettre les mêmes muscles. Taille des seins. On va descendre un peu les pecs, histoire que ça... Hein. Taille de la virilité. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que vous avez une potion dans le jeu, de toute façon, qui vous permet d'avoir un truc qui vous chatouille les orteils. Mais voilà, on va essayer d'être raisonnable quand même, ça sert à rien. Genre voilà, là c'est raisonnable, vous voyez, c'est une taille moyenne, quoi. Du coup, ça tu peux le changer. Tu peux le changer, et pour le changer, c'est comme ça. Le pseudo que j'avais avant, on n'est pas changé. Hop. Et il ne m'affichait pas éditer machin. Heureusement que je m'en suis souvenu, quoi. J'ai failli me faire avoir. Voilà, là c'est parti. C'était rapide. Hein. Enfin, c'est rapide. Sauf si vous voulez vous créer un personnage aux petits oignons. Crucified. Crucified. On entend vraiment le jeu? On entend vraiment le jeu? On entend vraiment le jeu? C'est dis-le-moi si on n'entend pas le jeu. Ça c'est con, hein. Peut-être mettre un peu plus fort le jeu quand même, parce que là tu me dis tout est nickel, on m'entend bien, mais moi je sais qu'on m'entend bien, mais c'est le jeu surtout. J'ai envie qu'on entende le jeu, quoi, sinon c'est un peu dommage. Je suis sûr qu'il s'est barré déjà. Tac. J'ai clairement augmenté le son du jeu, hein. On va voir. C'est bizarre ce que tu fais, Conan, là, tu sais qu'il est tout nu quand même à côté de ta tête. Apparemment ça le gêne pas trop, mais bon, moi ça me gêne, ça me met mal à l'aise quand même. On va pas rester tout nu très longtemps, vous inquiétez pas, hein, si ça vous offusque. Putain, il est sec le mec, hein. Live, love, burn with life, slay and survive. Bon, la tempête, non, on l'aura pas, mais là, il la monte, mais on l'aura pas, non. Et là, on m'entend quand même en ayant augmenté le son du jeu, parce que moi, sur mon stream, enfin, sur mon retour de stream, on l'entendait pas. Enfin, quasi pas, quoi. Les tempêtes, elles sont impressionnantes, je trouve, j'aime bien. Et je les mets jamais, ça me saoule. Et voilà, mon zizi va prendre froid. Et sur PC, il est quand même plus beau que sur console. Tu vas voir ça avec la végétation et tout. Alors, quand tu mets des modes, j'en parle même pas. Par contre, là, ça part en couille. Là, au niveau végétation, décor et tout, pff, ils t'ont fait des trucs, mais laisse tomber. Et sur Instant Gaming, je crois que j'avais payé 29 balles avec tous les DLC. Un truc qui coûte rien, en fait. Bah, il était quasi gratuit sur PS4 à un moment avec le PSN+. Mais là, ouais, il coûte quasi rien sur PC avec Instant Gaming. Mais après, je sais pas s'il est encore au même prix. Bon, on voit un cul, excusez-moi. On va essayer de s'habiller rapidement. Je connais plus les boutons. J'ai tout oublié. Oh là là. Bon, ça, c'est pour ramasser. Je vais faire exprès de ne pas montrer son zboob, hein, parce que sinon, je veux pas de problème, moi. Voilà. Oh merde, je l'ai montré. Excusez-moi, j'ai pas fait exprès. C'est quand il se tourne face à moi, lui. J'ai gagné un niveau. Oh. Bon, on verra du zboob un petit peu tant que je serai pas habillé. Hein. On va pas m'en vouloir. Et un zboob, c'est un zboob. Au bout d'un moment. Ah. Au pire, putain, j'ai oublié le mot de passe que j'ai mis pour admin. Au pire, je mettrai le mot de passe admin si je vois que c'est casse-couille et histoire que je crève pas tout le temps. Là, j'ai pas envie de me prendre la tête. Là, j'ai de quoi manger, en tout cas, j'ai des insectes déjà. Et juste appuyer sur les boutons, ramasser, puis voilà, t'as des insectes, des. Ils veulent me bouffer l'asticot ou quoi? C'est quoi le truc là? Non, c'est pas ça. C'est là. Bon, bah là, on voit son sboom, excusez-moi. On va faire ça, ça, ça et ça. Comme ça, on sera habillé et ça évitera qu'on voit notre sboom. Et il va s'habiller au fur et à mesure automatiquement. Mais rien que les packs s'enfoncent dans le sable et tout, c'est bien fait ça. Putain, je me souviens pas de ça. Et genre, avec le vent, le sable se remet en place. Mais progressivement. Regardez. Et. Voilà, on n'est plus le zizi à l'air. Hop. Au moins, déjà, on n'est plus à poil. Hop. Alors. N'importe quelle personne qui se crée une session comme ça peut s'activer le mode admin sans se foutre en l'air nécessairement le jeu. Il pourra juste augmenter au pire le poids maximum, toutes ces conneries là, vous voyez. Donc c'est pas du shit non plus quoi. On peut être raisonnable. En fait le tout c'est de pas faire n'importe quoi avec le mode admin. Ouais, si tu veux juste être plus costaud au niveau poids de ce que tu peux porter. Et tout. Je veux dire le mec c'est à l'époque de Conan. Hein. S'il peut porter 10 brindilles et 5 cailloux. C'est un peu du foutage de gueule aussi, donc pour éviter d'attendre d'être level je sais pas combien, vous augmentez un petit peu le poids et puis voilà, il n'y a pas mort d'homme. Le tout en fait, ça c'est les gens qui crient au scandale du glitch ou des codes ou des machins. Les mecs, vous achetez un jeu, vous en faites ce que vous voulez, si vous voulez tricher, vous trichez, si vous voulez pas tricher, vous trichez pas. Si vous voulez juste jouer à ce jeu pour pêcher, vous pêchez, je sais pas si on peut pêcher. Je sais plus, je crois pas. Mais voilà, il y a des modes pour pêcher je crois. Mais en tout cas voilà, faut pas se prendre le choix avec ça en fait. Faites ce que vous voulez. Donc là, si tout à l'heure j'ai envie de mettre le God Mode ou machin, je le fais. Et je m'en tape. Le jeu, j'ai plus rien à prouver dessus, donc je m'en fous en fait. Moi, j'ai juste envie de m'amuser et de vous faire découvrir un jeu qui est sans précédent. Ouais, sans précédent. Ouais. Et avec les modes, j'en parle même pas. Et en RP, j'en parle pas non plus. Il manque juste un casque VR là-dessus, c'est fini. Hein. Parce que d'ailleurs, on peut changer la vue, normalement, je sais plus comment on fait. Donc ça, c'est tapé. Ça, c'est les gros coups. Ça, c'est les coups de pompe. Ça, c'est la roue. Ça, c'est la roulade. Ça, c'est sauter. Et ça, c'est se baisser. Ok. Et on va manger. Histoire de bien... Comment on fait pour manger, déjà? Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Il faut avoir remplir notre gourde, quand même, parce que ça pue. Bon, on se casse. En tout cas, on n'est plus tout nu. C'est déjà ça. On a fait l'essentiel. Et franchement, le jeu est beau. Enfin, après sur console, il était pas moche non plus, hein, sur PS4. Même sur PS4 Pro, d'ailleurs, il était vraiment pas moche. Mais il est quand même beau. C'est des branches. J'ai peut-être raté quelques branches, et les branches, c'est utile de ouf. Faudrait que j'en ramasse un peu plus. C'est pas grave, on verra après. Au pire, mode administrateur, et je me l'ai fait spawn. Hein. Non, on va pas faire ça. On va même essayer d'aller jusqu'au nord, là où j'habitais avant. Oh là, t'es pas beau, toi. Jusqu'au nord où j'habitais avant. Et on va s'installer là-bas et farmer comme un ouf. Mais il faudra faire attention aux loups, il y a des loups. Ça pue les loups. Les loups font très mal, surtout les loups... comment ça s'appelle? Les loups... Merde! Putain, ils ont un nom. C'est ceux qui sont tout vérolés là, tout foireux là. C'est des loups... néfastes ou je sais pas quoi. Des loups quoi. Hop. Je ramasse. Ça, c'est le problème de ces jeux-là, moi, c'est que je farme comme un taré. Donc, je peux passer toute une session de 6 heures à ramasser des branches et des feuilles. Ça me gêne pas, donc après, je les stocke dans mes coffres et que j'en ai une quantité astronomique. Ça me va. Faudra qu'on fabrique du cordage, faudra qu'on fabrique tout ça aussi. Mais c'est très grand. Hein. Alors, oui, la map. En dehors de la map. Donc là, vous avez des points d'aptitude du coup que vous pouvez appliquer sur votre personnage, donc en choisissant bien surtout, parce que au pire, sinon, il faut prendre une potion et tout remettre à zéro. Mais en tout cas, voilà, il y a un arbre de compétences. Il y a en plus un autre arbre de compétences qui te permet d'apprendre en fait à fabriquer des choses. Donc tu as beaucoup de choses. Et avec les modes, c'est encore pire. Voilà, tout ça, c'est ce que tu peux débloquer. Certaines choses se débloquent que si tu as débloqué un autre truc d'avant. Et ce truc d'avant, tu le débloques que si tu as débloqué l'autre truc d'avant. Et puis, vice-versa. Et vice-versa. Donc voilà, on va mettre le nez dedans aussi, hein, tout à l'heure, ça c'est sûr. Il faut quand même commencer à apprendre quelques trucs. Genre par exemple, faire des coffres, parce que j'adore faire des coffres, moi. Et un feu de camp aussi. Et j'ai déjà quasiment plus de points. Au pire, un mode administrateur. Ça fait 4 fois que je le dis, donc je pense que je vais vraiment l'utiliser au bout d'un moment, mais c'est pas grave. Ça, c'est tes stats. s'en fout un peu, on va pas chercher là-dedans. Ça, j'ai jamais regardé. Ah oui, les périples, bah, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est le fait de s'habiller. Il dit, vous vous êtes habillé, boum, t'as une récompense. Ça te donne de l'XP en fait. Donc ça, les périples, tu fais ça, tu arrives rapidement au niveau 100 en ayant déjà fait ça et en te baladant en même temps en fait. Donc c'est un bon moyen. Clan, c'est si tu veux créer un clan, que dans le serveur ou dans ta session, tu peux créer un clan. Suivant, ça c'est quand tu as des animaux, donc des familiers, des loups, des tigres à dents de sabre, des animaux ultra dangereux, enfin tu peux avoir un peu de tout, des trucs tout pourris, enfin, tu fais ce que tu veux. Et la map, voilà la map, sans mode. La map sans mode, ça donne ça. La map avec mode, bah, il faut s'attendre à ce que tout ce qui est ici, là, que je suis en train de balayer, ça soit occupé, ça c'est occupé. Ça c'est occupé, enfin c'est modélisé en tout cas, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Tout ce que les devs n'ont pas fait en fait, bah, les modeurs l'ont fait. Et souvent ils t'ont remanié absolument toute la map aussi. Alors il y en a, c'est pas très cohérent par rapport à l'histoire quand tu fais la trame scénaristique principale, mais il y en a d'autres, ils ont réussi à quand même bien coller dessus. Et, mais ça te fait redécouvrir le jeu en fait, t'as l'impression de même plus jouer au même jeu. Donc du coup, les mods c'est gratuit, c'est super facile à installer parce que c'est dans le workshop. Pourquoi se priver quoi, enfin au bout d'un moment je veux dire, voilà. Donc là, je ne l'ai pas mis parce que au moins, vous n'avez pas à vous prendre la tête à vous dire qu'est-ce que je dois faire, machin, etc. Là, tu as le jeu tel quel, comme je l'ai moi. Et puis après, si tu veux commencer à mettre le nez dans les modes, commentaires ou machin, si tu connais rien. Et puis voilà. Mais c'est très facile. Hein. Steam, Workshop, et tu as les modes. Et si tu veux savoir quels modes sont bien, bah déjà, tu as la notation des modes. Et sinon, bah, tu vas sur YouTube et tu tapes le nom du mode et tu cherches « meilleur mode map pour Conan Exile », tu vois, par exemple. Bah, tu tapes ce que tu veux, en fait. On va peut-être pas habiter ici non plus parce qu'au bout d'un moment il fait chaud et on commence à avoir soif. Vous voyez, vous avez vos indicateurs en haut à gauche qui peuvent se modifier avec les modes. Et donc ouais, bouffe, soif, le poids que tu portes, donc, dont je parlais tout à l'heure, et la température. Donc tout ça c'est important. Tu peux pas crever instant, mais par contre tu peux perdre beaucoup de vie. Ou en tout cas très gêne beaucoup moins. Donc faut y penser. Toujours des grosses voix de ouf. Rien que pour ça, il est obligé de porter lourd, quoi. Donc je l'augmenterai dans le truc. Alors, dans le panneau d'admin, quand tu n'as jamais essayé le panneau d'admin, mais que tu connais bien le jeu, enfin bien le jeu entre guillemets, genre tu y as joué 20 heures, quand tu découvres le panneau d'admin, là tu te dis « Oh putain, je suis Dieu ». Ouais, attends, t'es un peu Dieu en fait, hein. C'est un peu le même genre. Et tu peux courir super vite, voler super vite, tu peux téléporter, enfin c'est... C'est le bordel. Tu redécouvres le truc en fait. Et ça te fait redécouvrir le jeu aussi. C'est un style. C'est une façon de jouer en fait, d'être admin. Il y a moyen de s'amuser quand même en fait. Soit peut-être tes potes ou les gens qui viennent sur ton serveur, enfin peu importe quoi. Je ramasse. Hein. Vous voyez, j'ai pas fait spawn mes ressources là. Je les ramasse. Je suis quelqu'un de gentil et raisonnable. Je vais pas faire ça au bout de 10 minutes de live quand même. On va attendre un peu. Genre 15. 15 minutes, c'est bien. Je vais déjà vous montrer la différence de biome en fait, sans cheat, sans rien. Enfin, j'appelle ça cheat. Sans admin, voilà. Sans admin, je vais vous montrer la différence de biome, c'est-à-dire quand tu sors du désert et que tu te diriges donc vers le nord de la map, pas comme ça, j'avais déjà oublié. Là, pas comme ça non plus. Voilà, là on est là. Oui, le principe. Quand tu commences sur Conan, tu n'apparais pas que ici. Tu peux apparaître là, 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 là. Enfin, tu peux apparaître un peu partout au sud. Et quand tu joues avec plusieurs potes qui sont déjà dessus, ben, c'est à eux de à la rigueur de te rejoindre avec des ressources, des vêtements, et comme ça ils t'accueillent et puis hop, ils te donnent tout ce qu'il faut pour pas être tout nu, pas avoir trop chaud, avoir de quoi manger, avoir de quoi boire. Mais c'est aléatoire, normalement tu n'apparais pas tout le temps au même endroit. Sauf avec les modes, où tu peux apparaître exactement où tu as envie. Là j'ai soif, vous voyez, il me le dit. Tu peux apparaître où tu as envie, et du coup ben, tu peux même apparaître en plein milieu de la map, tu apparais où tu veux, tu configures ce que tu veux avec les modes. Surtout quand tu es admis. Parce que sinon tu reconfigures que dalle. On va essayer de... Voilà, on peut sprinter hein, bien sûr, hein, parce que sinon ça serait chiant. Bon, le sprint suce très très vite parce que bah, automatiquement mon personnage pue la merde, lui qui vient de commencer. Est-ce qu'on peut ramasser ça? Ouais, des pierres. Les feuillages, j'avais oublié que ça n'en pouvait pas. Tu peux ramasser de l'aloe, tu peux ramasser plein de trucs. Les cactus, tu peux les péter comme ça, bah du coup ça te donne de l'eau je crois. Je vais essayer de les péter au point, je sais plus si on peut. Alors t'as des attaques lourdes, des attaques légères, bien sûr ça te bouffe de la stamina, c'est évident. Mais bon les cactus, faut pas rêver, on les pètera pas comme ça. Et là je pense que normalement en vrai j'ai plus de main. Mais voilà, on va ramasser encore des branches. Et ramasse toi. Tu peux rester appuyé sur le bouton pour ramasser, hein. Donc X en manette Xbox. Là, il y en avait. Hop, hop, merci. Donc là, le biome commence déjà un petit peu à changer. Il y a un peu plus de végétation. Hop. Je ramasse que je me ferai un petit sac de couchage au cas où pour réapparaître quelque part. Et pas tout perdre en fait, parce que sinon tu réapparais dans le désert avec rien. T'es tout nu encore à nouveau. Tu peux paramétrer de façon à pas perdre ton inventaire, je crois, mais je sais plus. Sincèrement, j'ai un doute par rapport à ça. Voilà, le biome change. Ça commence déjà un peu à être un peu moins aride, on va dire. On va tomber sur de l'eau rapidement. Je sais plus comment on saute sans se casser la gueule, donc j'ai perdu de la vie. Comment on s'accroche déjà? Bah, c'est en sautant simplement. Tu sautes et tu appuies sur saut, je crois. J'ai oublié. Je me suis peut-être mal collé à... Ouais, c'est ça. Je m'étais mal collé à la falaise. Oui, c'est un jeu où la verticalité n'a pas trop de limites à part ton endurance. Tu peux escalader. Donc si tu as envie d'escalader tout ça, tu peux. Tu fais des petits paliers de pause, quoi. Genre là, tu te poses ici. Tu attends que ta stamina remonte. Voilà, ça va remonter. Et là, ainsi de suite, tu continues. Et tu peux bien sûr descendre comme ça, ce que j'ai pas réussi à faire juste avant et je me suis cassé la gueule. Voilà. Et... alors ils sont pas gentils. On va essayer de se fabriquer quelque chose histoire de leur péter la gueule quand même. Attendez, je ramasse encore d'autres trucs. Parce que je vais bouffer quelques ressources en fabriquant des armes. Enfin des armes, façon de parler. Pas vraiment des armes, hein, ça va être plus, voilà. De la merde rudimentaire, on va dire. La soif commence à vous faire tourner la tête. Mais tu me fais chier, je m'en fous. Du coup là, regardez. Ah oui, je n'avais pas montré ça. Tout à l'heure, j'avais que le sac de couchage avec la ficelle, le machin, les trucs. Là, il m'a rajouté automatiquement ce que j'ai débloqué dans les aptitudes, qui est là, voilà. Comme j'ai débloqué des trucs dans les aptitudes, automatiquement, on les ajoute. On va. Alors déjà, est-ce qu'on peut mettre ça dans la rouge? Je sais plus comment on fait. Comment on fait? Une radiale, c'est ça. Voilà, on peut déjà boire un peu si on veut. Et du coup, se fabriquer un truc pour taper la gueule des gens. Ben ça. Et on va se fabriquer ça. Et on va se fabriquer là, ce qu'on ne peut pas faire encore pour l'instant. On va voir si on peut. Attendez. Aptitude, je veux faire une épée. Ça. Voilà. Là, j'ai débloqué l'épée. Et ça aussi, j'aime bien. Donc, on y retourne. Là, du coup, elles se sont ajoutées ici. Et tu n'as plus qu'à les craft. Donc, tu prends les ressources que tu as besoin. Donc, j'ai besoin de ficelle. J'entendais pas à côté de moi, ça fait peur. Tu peux tout fabriquer d'un coup, en fonction de toute la fibre que tu as ramassée. Donc là, il me les fabrique, il n'y a pas de problème. Et dès que je peux, je me fais mes armes. Ça, c'est une extension, ça. Griffe en os, j'ai déjà ça? Ça vient de l'île de Siptah ou quoi? Ça vient de d'où ce truc-là? Il n'y a pas ça au début. Bah, déjà, il faut en ramasser de l'os. Enfin, faut... ouais. Bah, c'est pas grave. On va se faire ce truc-là, parce que c'est bien, c'est rapide. Fabriquer. Voilà, ça met automatiquement un ordre hein, dans la fabrication. C'est évident. Vous allez devoir boire bientôt. Mais je viens de boire, donc je ne me casse pas les couilles. Et je vais manger, tiens, si tu veux. Regarde. Hop, 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 hop. Voilà, bouffe. Il faudra un repas consistant ou un repas chaud, machin, etc. Donc il faudra le faire aussi, ça. Ok. Donc il a automatiquement mis dans la roue ce que j'ai fabriqué. Donc maintenant j'ai des armes. Et ça, c'est très rapide. Ça fait un peu moins de dégâts, mais c'est mortel. Bon, après, moi je suis plus épée à une main ou épée à deux mains. Mais sinon, ça marche très très bien, ça. Hein. Allez, venez les trous du cul. Tiens, là par contre, je commence à avoir très soif, vous voyez. Je perds de la vie, je vais crever sûrement. T'as des roulades, t'as tout ce qu'il faut, hein, si t'as besoin. Là, j'ai plus d'endurance, vous voyez. Donc, bah, lui, il est mort. Parce que ça a dû provoquer saignement. Casse-toi, toi, le trou de cul. Tiens, regarde. Raté. Ouais, les esquives, ça te sauve la vie, mais il faut avoir de la stamina pour les faire. Raté. Ah là, c'est pas raté, par contre. Il va me fumer, ce con. On va aller boire. Parce que là, on a mal au fion. Il me suit. Hein. Hop. Donc, du coup, voilà. Voilà. On va retourner tuer l'autre con. Si on peut. Il a dû reprendre sa vie, hein, par contre. Hein. Faut s'y attendre. Et il la reprend progressivement. Là, j'ai fait le con, vous voyez, par exemple. J'ai oublié de resélectionner l'arme. Hémorragie dans ton cul. Merde, pardon. Par contre, j'avais pas fabriqué mes outils, moi. Ils sont où? Bah oui, je l'avais fait, ça. Je crois. Je sais plus. Ça va s'ajouter à la route. Ok. On va pas se faire un... Normalement, c'est pas avec ça que tu fais ça, mais bon, on s'en fout, on le fait quand même. On va se couper un peu de bois. Voilà. Pourquoi j'appuie plusieurs fois? Moi, je suis un con. Il y a juste à rester appuyé, en fait. On peut se bouffer un lapin cru, mais c'est pas bon non plus. Il faut essayer de le faire cuire, c'est mieux. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en buter un. Je crois que je l'ai désintégré, en fait. Oh, on s'en fout. Donc certains bois donnent du bois sec, d'autres donnent du bois normal. Enfin, niveau ressources, il y a quand même une certaine variété, donc vous aurez de quoi faire. Et on va continuer à progresser un petit peu vers le nord. Oh, des œufs! J'adore bouffer les œufs. Parce que tu peux les bouffer crus, ça passe bien. Plein de protes. Des cailloux, des branches, de la ficelle, le frigidaire, mon armoire à cuillère. Et après c'est mon évier en fer et mon poêle à mazout. C'est une vieille chanson de vieux. Voilà. Donc la vie pour carbone, il va falloir bouffer. Hein. Voilà, toi t'es mort. Est-ce qu'il y a un autre nid quelque part que je puisse ramasser tes œufs là? Parce que en fait tes œufs, genre je les veux. Les œufs, je les veux. Ah merde. Bon, ça par contre c'est con, parce que quand t'as plus beaucoup de vie, t'es un peu emmerdé. Surtout s'il y a un archer par exemple, tu vois, ou un mec avec une lance. Donc tu te casses, quand c'est comme ça. Je cherche pas à comprendre. Voilà. Plouf. Comment on plonge déjà? Je sais plus. Ah oui, c'est comme ça. Voilà. C'est quand même bien fait, tu peux plonger, tu peux faire tout ça, il n'y a pas de problème. Hop. On va continuer à boire un petit peu. On va se re-shooter un lapin. Parce que je commence à avoir la dalle. Mais là, du coup, je ne l'ai pas tué. Enfin, je n'ai pas fait ce qu'il fallait et tout. Et je n'ai pas récupéré de viande. Donc oui, il faut faire autrement. Ah, il m'a eu. Là, par exemple, je l'ai eu. Et là, du coup, il faut vraiment que je fasse ce qu'il faut pour récupérer la barbaque. Et pour récupérer la barbaque, il faut se faire un tranchoir. Et on va se faire ça aussi pour les peaux. Allez, fuck. Le coffre, on verra plus tard. Ça, on va s'en fabriquer un. Il nous faut des pierres. Donc, il nous faut encore des pierres. Ramasse les pierres. Pierre n'est pas là. Je suppose que Pierre non plus. Toujours ensemble, ces deux-là. Ça, c'est bon. Oh, on pourrait se poser sur cette petite île. Elle est mignonne. Il n'y a personne. On va se mettre un petit campement ici, histoire d'être sûr qu'on ne crève pas ailleurs. Et pour ça, il faut de la ficelle. Et j'en ai fait, je crois. Donc, je vais juste me faire un petit sac de couchage. Une paillasse, pardon. Excusez-moi, il faut rester RP. Donc, on se fait une paillasse parce qu'on a fait de la ficelle tout à l'heure. Et on a des branches et de la fibre. Tout ce que je ramasse depuis le début, quoi. Du coup, hop, la paillasse, elle est faite. Et on la pose où on veut. On va la mettre là. Voilà. Comme ça, on respawn ici. Point de retour mis à jour, vous voyez, il me l'indique. Tu peux le détruire, tu peux le déplacer, tu fais ce que tu veux. On va se poser le feu de camp. Le feu de camp que j'ai fabriqué normalement, je crois. Ah non, il manquait encore des pierres. Attendez. Toc. Normalement, on a ça qui nous permettra de récupérer de la bouffe. Non, que de la peau. Putain, mais comment on fait pour la viande? Ah là, c'est peut-être sur les autres bestioles. Je sais plus. Hein. Sincèrement, je vous ai dit, ça fait un certain temps quand même. T'oublies quelques réflexes. Hein. Hop, hop. On a des pierres, des branches. On va faire un feu et on va cuisiner un petit plat tout mignon. Hop. Arrête de tenir ça, toi, t'as l'air d'un con. Voilà. Tu peux en mode admin t'enlever la soif, la faim, la fatigue. Tu peux être sans Goku, quoi. Y a pas de problème, c'est pas un souci. Hop là, hop là. Toc. Ça c'est bon. Donc notre truc est là, donc on va se mettre le feu de camp ici. C'est bien ici. Ici j'aime bien. Et bouffer ces putains d'œufs, parce que ça va nous faire du bien. Donc bien sûr le coffre que tu vas te fabriquer et poser, tu peux le ramasser, vider son contenu, enfin. Voilà, c'est le jeu de base, hein, il n'y a pas de secret par rapport à ça. Là, il nous manque de la ficelle. Est-ce qu'on a ramassé de la fibre en assez grosse quantité? On en a deux. Pour ramasser plus de fibre. Indispensable, la fibre. C'est le truc indispensable, la fibre. Donc là, comme il y a de la place dans ma roue, ça me les pose dans la roue automatiquement, ce qui est très pratique. Tu peux bien sûr incliner comme tu veux, etc. Bien que pour un feu de camp, on ne voit pas trop la différence. Pas trop. Hein. Voilà. Là, il faudra mettre du bois. Pour le faire fonctionner, bien entendu. Tu peux mettre un asservi, ce qui te permet de cuisiner mieux ou plus vite, etc. Comment on fait pour tout mettre? J'ai pu tout donner, je crois. Non, c'était pas ça. Tout prendre, voilà, merci. Et normalement, c'est ça, c'est ce bois-là. C'est ce qui me fait chier. Il veut pas. Combustible actuel, mais c'est pas celui-là. On va mettre ça. C'est pas ça non plus. Mais putain, je mettais quoi en combustible, moi? Vous avez mal au ventre? Mais tu me fais chier? Je veux faire cuire ma viande, moi. Je vais bouffer les œufs, par là. Voilà, j'ai plus mal au ventre. Donc, je bouffe les insectes avec. Et comme ça, ils ne m'emmerdent pas. Voilà, t'as plus mal au ventre, là. Voilà, il est repu, il a mangé comme il faut. Pour le combustible, on va recouper du bois. Les bois repoussent, hein. Enfin, les bois repoussent. Les arbres. I am God. Hop. Ah, des branches. Je crois qu'on peut mettre des branches. Je sais plus. Alors, un truc qui est bien fait aussi dans le jeu, outre le coupage de bois, parce qu'après, il y a des jeux où c'est mieux fait quand même, c'est la pierre. Quand tu commences à miner, je trouve que c'est plutôt réussi. Après, vous me direz votre point de vue, mais moi, je trouve ça plutôt réussi, vous voyez. C'est assez progressif, c'est pas mal. Donc là, bien sûr, ça ramasse. J'ai une pioche de merde, donc automatiquement, ça ramasse moins. Quand t'as une meilleure pioche, ça ramasse plus vite. Mais... après, c'est la taille de la pierre qui compte beaucoup. Tu ne pourras pas miner cette montagne, c'est un décor, mais par contre, toutes ces pierres-là, tu peux les fumer sans problème. Voilà, là, je suis trop lourd. Donc, je l'avais dit, 15-20 minutes, je vais activer le mode admin pour m'ajouter du poids. Je m'en tape, mais je le fais après. Pour l'instant, je vais vous montrer l'impact que ça a quand tu es trop lourd. Tu peux quand même te déplacer, mais ça va être très long. Hop, on ramasse, on ramasse. On ramasse, on ramasse. Ça, on peut pas, comme t'étais avant. Enfin, je crois. Ou pas. Ça, là, on peut pas. Ah, si, ça y est. Ah, il est lourd, là. Là, il est lourd, là. Ouf. On a déjà fait un coffre ou pas? Il nous manquait quoi pour faire le coffre? Parce que c'est ça que je veux me faire, surtout. Il nous faut de la ficelle. La ficelle. Il nous faut de la fibre. Merde. Après, tu peux mettre des ressources dans ton feu de camp si tu veux. Ça ne va pas cuisiner ta pierre, mais en tout cas, tu peux la stocker dedans si tu as besoin. Là, on n'a pas de fibre. Donc, c'est vrai qu'on est un peu baisé. Tac. Tu fais des roulades au pire. Hein. Mais tu peux même pas en fait. Ah non, t'es baisé. Hein. Oui, je sais que c'est trop important. Donc, du coup, je vais faire ça. Voilà, je suis moins lourd déjà, vous voyez, ça fait du bien. Hop. Donc on a déjà pas mal de bois, on va couper ça. Du coup, on ramasse des branches automatiquement. Et les branches, oui, servent de combustible, c'est bien ça. Hein. Normalement, il me semble que c'est ça. Hop. On va s'en faire quelques-unes quand même, parce que bon, le bois va vite se consumer. Après, tu peux éteindre ton feu de camp, bien sûr, hein, si tu veux pas bouffer tes ressources. Pour rien. Ouais, le poids augmente progressivement en fonction de ce que je fais. Hein. Et on a des œufs là-bas, c'est très bien, on pourra manger. Les œufs respawn, bien sûr, les créatures aussi. Faut pas faire le con, quoi. Donc ça, on peut le reprendre. Voilà, et on va mettre les branches. Là, ici, on les met là-haut. Voilà, et ça, c'est du combustible. Tant que je mets pas lecture, ça bougera pas. La viande, on va la cuisiner. Voilà, là on cuit la viande, ce qui fait qu'elle va se conserver plus longtemps. Sinon elle est pourrie, et après tu ne peux plus rien en faire. Si, la mettre au compost. Ah oui, parce que tu as du compost aussi, enfin, c'est tout un truc. Hein. Donc je ne vais pas tout prendre, je vais en prendre qu'une partie. Voilà, ça, je vais le manger. Ah, là, je suis bien. Là j'ai bien bouffé comme un gros. Donc maintenant, on attend que la viande soit cuite. On va mettre nos pierres parce que ça prend de la place. Et on va aller ramasser de la fibre et défoncer les autres là-bas. Tu t'en sors ou pas? Normalement, le feu se met en veille hein, quand il n'a plus rien à cuisiner. Normalement. C'est ça, il s'est mis en veille. Il fait encore un petit crépitement, mais c'est bon. Allez, les trous du cul, venez. Donc, bien sûr, il y a les enfants, c'est plus facile. Quand tu vises bien. C'est vrai que j'enlève le lock à chaque fois, donc automatiquement... Là, je me suis fait encercler, vous voyez. Raté les trous de fion. Ah merde, il me suit jusqu'ici. Oh. Eh, vous êtes chez moi, là. J'ai du sang partout sur moi. Y en a un qui est spécial. Vous avez vu? Ça, c'est un spécial, ça. Donc ça, ça pue, par exemple. Tu vois, quand tu commences à affronter ces trucs-là, c'est plus chaud. Mais foutez-moi la paix. Je veux juste tuer vos bébés et bouffer vos œufs. Raté. Allez, salut. Hop. Là, ses potes sont pas là, donc du coup, ça va être plus facile de le ruiner. Surtout quand ils me regardent pas, c'est encore mieux. Voilà, on en a un de moins déjà. On va le dépecer. Tiens, viande savoureuse, allez bim. On s'est quand même fait défoncer. Hein. Après, c'est le risque du métier, on va dire. À cette époque-là, je pense que même une brindille pouvait être défoncée. Genre une fleur pouvait être bouffée. Par contre, ça, c'est un boss. Vous voyez? Ça, c'est un genre boss. Et une tête, non? Ouais, une tête. Ça, je vais pas l'affronter avec mes merdes. Ça sert à rien, hein, je vais me faire défoncer. Lui, il faut l'attirer là-bas. Comme ça, son pote sera pas là. Et puis voilà. Parce que son pote, il va me tuer. Hé, salut. Raté. Lui, il me touche, il me tue en one shot. Vu ce qu'il me reste. Eh ouais, vous pouvez pas nager. Oh merde. T'énerve pas comme ça. Voilà, c'est bon, lui se barre. Faut vite revenir. Hop. Merde. Pourquoi t'as pas pris l'arme, espèce de con? Allez. Il est sérieux, lui? Eh, c'est vraiment un trou de balle. C'était pas prévu ça. Alors on se recharge la stamina et on esquive sa première attaque et on le fume. Raté. Voilà, saignement dans le fion. Donc là déjà le boss nous a pas embêté, c'est déjà ça. Hop. Tiens, allez merci. Je vais aller récupérer tes œufs et ensuite je laisse le connard tout seul. Bon les bébés je vous laisse grandir. Bon. Ils grandissent pas, bien sûr. Hein. Tu peux les prendre, par contre, pour te les domestiquer, si t'as envie. Après. Ah! Il va me tuer! Non! T'as de la chance que j'ai pas un arc. Je t'aurais pas fait mal, mais je t'aurais au moins lancé une flèche, quoi. Tu m'auras pas. Il est gros, lui, hein. Il a une sale gueule. Oh! T'es vraiment pas commode comme mec, hein. Moi je te le dis. Hein. T'es un trou de cul. Voilà, du coup mon corps se refroidit. Ouais, bah, ça prend aussi ça en compte, c'est que le corps se refroidit. La taille qui compte, je pensais que c'était la façon de l'utiliser qui comptait. Toi t'es vraiment un cochon, je te le dis. Hein. Putain, moi jamais je dirais des obscénités comme ça sur tes lives. Hein. Pourquoi je regarde par là alors que la caméra est là? Jamais je dirais des obscénités comme ça sur tes lives. Bon, par contre, pourquoi je chaîne? Ah non, c'est juste que j'ai mal, en fait. J'ai beau être matinal, j'ai mal. On va mettre tout ça là-dedans. Et on va bouffer ça. Ça va nous faire du bien. Toi, tu vas cuire, du coup. Voilà. Merci. Ça, on met. au niveau du bois. Toc, 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 on a les œufs, on a ça. Bon, le bouquin, je m'en fous littéralement. Donc, voilà, salut. Et ça, notre griffonnet, salut aussi. On s'en tape. Il nous faut des fibres. Donc, on va aller ramasser des fibres. On n'a plus beaucoup de fibres. Histoire de se faire un foutu coffre. Enfin, de faire de la ficelle pour faire un foutu coffre. Là, il y a encore un campement, mais je crois que lui, il est gentil. Je sais plus. Eux, quand tu les attaques pas, ils s'en foutent en fait. Regarde, ils s'en foutent. C'est un herbivore à la base, mais dès que tu commences à t'en prendre à ses œufs ou à ses petits, bah, il te défonce. Lui, tu peux lui parler, il va t'apprendre un truc. Je m'en souviens de ça. Yeah. Applaudir poliment, voilà. Donc là, t'as pris un émote. Trouver quelqu'un à qui parler. Ouais, bah je te parlais. Ça. Allez, salut. Donc maintenant, je... C'était quoi ce bruit? C'est un alligator, ça. Il est où? D'accord, et on va piquer les œufs du coup. Et la maman, si elle me voit, elle sera pas contente. Mais c'est pas grave. Allez, salut. Donc notre campement est là, on est bien. Hop. T'as des trucs que tu peux ramasser au fond de l'eau aussi, selon l'endroit. Ça, c'est ce qu'on a largué et ça va mettre un peu de temps à disparaître. Il nous faut de la fibre. Putain, mais je suis parti sans ramasser ma fibre. Non, je vais aller de l'autre côté plutôt parce que là-bas, il n'y a pas grand-chose. Hein. Alors, t'as des dieux là-dedans. Enfin, des dieux. Des titans. Enfin, voilà, des géants que tu peux faire apparaître, surtout quand t'es admin. Donc, c'est pratique. Et sinon, tu peux les faire apparaître aussi, mais c'est un truc de ouf pour les faire apparaître. Et ouais, t'as beaucoup de choses. Hein. Alors, attendez, on va déjà ramasser les fibres avant de voler leurs œufs, parce que sinon ils ne vont pas apprécier la blague. Voilà, merci. Et après, je te pique tes œufs, hein, ça c'est sûr. Il n'y en a qu'un qui a respawn pour l'instant. Et le poids commence à être pas mal. Ça risque d'être trop. J'en ramasse beaucoup, hein, comme ça je suis tranquille, et en plus ça me fera de quoi bouffer. Voilà. Ok. Ça attrape là où le pointeur est. Hein. Peu importe la caméra ou machin, c'est le pointeur qui compte. Alors, comme ça, on va en avoir pas mal déjà. Hop. Donc le poids augmente, moins vite bien entendu vu que c'est pas de la pierre. Mais le poids augmente quand même, donc il faut faire gaffe. La surcharge, on va l'appeler ça la surcharge, parce que sinon c'est pas clair. La surcharge. Donc c'est un jeu où tu peux désactiver le sang, tu peux désactiver la nudité, tu peux un peu le paramétrer aux petits oignons comme tu as envie. Donc automatiquement, bah oui, c'est assez violent quand même, mais ça limite déjà moins la tranche d'âge. Que là c'est vraiment limite porno, surtout quand tu commences à jouer RP dans des scènes un peu particulières. Mais ouais, faut pas non plus donner ça à tout le monde, quoi. Pour ça, là, j'ai fait exprès de m'habiller assez rapidement. On ne sait jamais qui va tomber sur le live, même si normalement il est paramétré pour les plus de 18. Je voulais pas que ça pose de soucis pour des petits enfants, ayant des enfants moi-même. Fais bisous, toi. Tu sais que je vais te voler un de tes petits, je vais peut-être en élever un. Par contre, ce que tu viens de me faire, c'est dans Ghost, on n'a pas le droit de faire ça. Oh. Je vais devoir te tuer, tu le sais, ça. Je vais te tuer. Je te tue. Je t'ai tué. Hop, on ramasse. Au moins, elle souffrira moins parce que j'ai volé son petit. Donc, t'as une discrétion aussi dans le jeu. Mais accroupi, t'es plus discret. Ça marche pas avec les humains, pas trop, je crois. Plus avec les animaux. Je sais plus trop, en fait. Comment on fait les emotes déjà? J'ai oublié. Attendez. C'est pas ça. C'est ça. Donc j'ai appris un truc. C'est applaudir poliment, c'est ça? Je sais plus comment on fait. Sélectionner. C'était pas ça. Rédition. Jongler. Ah oui, j'ai une arme. Merde. Enfin, j'ai un accessoire. Ça, c'est la vue. Ok. Ça, c'est ça. Ça, c'est la map. C'est pratique, ça. J'avais oublié ces trucs-là. Donc là, on a quoi? Conversation, détente, tu peux t'asseoir, t'allonger. Tout ça pour les RP, ça enrichit le truc. Et t'en as beaucoup à ramasser automatiquement. Pensif. Je vois ce que vous voulez dire. travailler le concept, quoi. Tu peux arrêter l'imode, bien sûr, pas avec cette touche-là, mais tu peux l'arrêter. Comme ça. Merci. Et normalement, tu as une touche qui te permet d'enlever le HUD. C'est V. Avec V, tu enlèves le HUD. Et c'est pratique si tu veux faire un script. C'est juste la petite info comme ça. Toc. On va pouvoir se faire un coffre. Ça, c'est bien. Hop. Tout fabriquer. 22 ficelles, c'est pas... Ouais, on a de quoi faire. On va se faire au moins un coffre. On va stocker quelques trucs là. Et ensuite, je vais me mettre en mode admin et vous montrer le nord, là où je voulais aller, parce que bon, faut pas que le live dure... Bon, si on va y aller nous-mêmes, allez, tiens. Mais bon, faut pas que le live dure 30 heures non plus, quoi. Ça sert à rien. On va fabriquer ce qu'on a besoin, c'est-à-dire le coffre, histoire de stocker quelques trucs déjà. Voilà, là, je vais pouvoir le faire, oui. Il va se rajouter dans ma roue, normalement. Ça, je peux l'enlever, logiquement, mais je sais plus comment, en menu radial, et ça, on peut l'enlever. C'était pas comme ça. Comment on enlève déjà? Je sais plus comment on libère les trucs du menu radial. Ah, tu remplaces en fait. Mais je crois qu'on pouvait enlever. Là, si j'appuie là-dessus et que j'ai les ressources, il va le reconstruire. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe. On va déjà poser le coffre. On va le poser là. Tu peux l'aligner au sol, bien entendu, s'il y a besoin. Tu as les ombres portées sur les objets. Enfin... le truc de base. Tu peux renommer tes coffres aussi. Si tu as envie de le renommer, hein, tu cliques sur le nom. Et on lui donne un nom ultra important pour percuter quand tu le vois, tu vois. Le coffre. Et ça, c'est pratique. Donc tu vois, ma viande a pourri. Je viens de m'en apercevoir. Donc celle-là, elle a pourri. Donc on la vire. Et on va faire cuire l'autre. Le feu de camp fait toujours du bruit. C'est une source lumineuse aussi la nuit, c'est pratique. Voilà. Voilà. Et on récupère la viande cuite. Et ça. On va mettre... Tu peux avoir des frigos, si tu trouves des cristaux de glace. Donc ça permet de conserver la bouffe quasi indéfiniment. Ça, on va le manger. Ça, on le met dedans. Ça, on le met dedans. Ça, on le met dedans. Ça, on va le manger. Ça, on le met dedans, on s'en fout. Ça, on garde. Ça, on le met dedans. Et la viande sauvage, elle peut se faire cuire aussi. On va la mettre à cuire. Le mieux, c'est la viande séchée. Ça se conserve quasi à vie, ça. Voilà, donc tout ça, ça cuit. Hop. Donc même si je mets la viande là-dedans, ça va pourrir aussi, mais bon, je la mets dedans, on s'en tape. Là, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Donc ça, on s'en fout. Et du coup, logiquement, on va juste... Attendez, je sais plus combien j'ai pris sur moi. Ouais, j'ai que des œufs. Au pire, j'ai les œufs. On va tenter le nord, là, d'accord? Comme ça, au moins, vous verrez le truc. S'il y a besoin, je reviendrai ici, de toute façon. Je vais reprendre quelques œufs au passage. Alors, c'est pas moi qui fais ça, ne t'inquiète pas. Je t'embête pas plus. Merci, salut. Allez, voilà, merci. Hop. Allez, au revoir les cons. Hey. Vous avez des réflexes de ouf, les mecs. Faut que je me repère. Il faut que je me repère, hein. Donc nous, nous voulons aller... Merde. Nous voulons aller là. C'est ici qu'on veut aller. Ouais. Bon, on va se mettre un repère, au pire on s'en fout. Mais c'est dans cette vallée-là. Donc on va se mettre un repère, et c'est mon repère à moi. Du coup, je vais lui mettre... Ah tiens, j'avais construit une prison à l'époque du RP, donc je vais me faire un truc comme ça. Voilà. Enfin, j'avais fait une prison et un... Merde, une arène de combat. Façon un peu Star Wars, elle était trop bien. Donc on va aller là-dessus. Tu n'as pas de boussole, tu n'as pas tout ça, parce que bon, le mec en a pas en même temps, donc c'est normal que tu n'en aies pas non plus. Mais là, là on va passer par des endroits qui puent du cul, mais littéralement en fait. Donc ça risque d'être un peu tendu du slip. Voilà, par exemple avec ça, vous voyez. Ça, ça pue du slip. Les yens, c'est chiant. Et du coup, comme j'ai pas envie de crever toutes les 10 secondes, quand c'est comme ça, voilà, bon, elles ont lâché l'affaire, c'est bien. Et je vais leur faire lâcher l'affaire encore mieux, en fait. J'ai pas envie de m'emmerder. Donc du coup, tu fais ça. Paramètres du serveur, mot de passe admin. Garde-moi un admin. Voilà, ça garde en mémoire en plus. Mais c'est trop bien. Panneau admin. Et là, ce que tu fais, tu t'embêtes pas. Tu mets furtif, tiens. Comme ça, au moins, je suis pas en god mode, mais je suis discret, personne ne me fait chier. Et sprint gratuit, on s'en tape. Ça, je vais bouffer, je vais boire, et voilà, c'est tout. Donc là, il ne me voit plus. On va être un peu plus tranquille. Bon, sachez que normalement, je me ferai attaquer assez rapidement et assez souvent. Là, vous avez vu, il y a des pierres différentes. Ça te donne autre chose, c'est des minerais de fer. On va en ramasser un petit peu. Ça va être lourd, hein, mais c'est pas grave. Et ma pioche, au bout d'un moment, elle va faire la gueule aussi. Toc. Voilà. J'ai extrait du fer. Et quand tu as une bonne pioche comme ça, tu peux même extraire d'autres types de pierres dans une seule et même pierre. Enfin. Toc. Par là, c'était pas mal, normalement. Faut que je me mémorise ces putains de touches raccourcies, là, c'est pratique quand même. Ouais, on peut passer par là. On va tenter là, tiens. Après, si vous voulez, je mets le mode vol, hein, et puis on y va en volant, mais bon. Là-bas, il y a un boss, pas loin. Il y a un boss costaud. Il est là, je crois. Un alligator 3 têtes. Où es-tu caché? On va pouvoir le voir sans qu'il nous emmerde, donc autant en profiter. Normalement, il est par là, il me semble. Et il est là. Voilà, donc ça, c'est un boss 3 têtes qui te donne une arme légendaire. T'es content quand tu l'as. Regardez, ça, c'est gros. Il y a des trucs beaucoup plus gros, mais vraiment beaucoup plus gros. Genre, ça, c'est un timbre-poste à côté. Mais déjà, ça, quand tu commences à l'affronter, tu fais la gueule. T'es pas bien, tu vois. Tu vois, là, il est pas content parce que je le tape, mais il me voit pas. Eh, regarde. Bon, tu peux faire spawn des armes, tu peux faire spawn ce que tu veux, mais bon, on va pas le faire, c'est pas drôle. Là, on lui a mis quelques coups, il va se souvenir de nous sans nous avoir vus, et puis voilà. Tu peux escalader les arbres, voilà, c'est ce que tu veux. Par contre, le sprint gratuit, j'aurais peut-être dû le mettre, tiens. On va mettre le sprint gratuit. C'est mieux. Le petit sprint illimité, là. Voilà. Allez hop, là, comme ça on se fatigue plus. Comme ça, je peux boire mon verre de vin en même temps. Parce qu'il est tiède. Ah. On a quand même pas mal de chemin. T'as des coffres cachés partout, t'as des boss partout, t'as des boss 1 tête, 3 têtes, enfin... Pff. D'ailleurs, les 2 têtes, je crois que j'ai jamais vu. Enfin, t'as des 1 tête, t'as des 3 têtes, t'as des trucs légendaires, des armes légendaires, t'as des quêtes principales, des quêtes annexes, t'as des parchemins, t'as des emotes, t'as... Oh là là. Le jeu, mais il est tellement conséquent, en fait, c'est n'importe quoi. Il est ultra conséquent, vous avez largement de quoi faire. Pour le finir, déjà, vous le finirez pas en 20 heures, c'est impossible. Et 2 nouvelles créatures, là, on est encore dans le biome désert, par contre. Toujours avec une certaine végétation, mais c'est toujours assez chaud, quoi, on va dire. C'est quoi ça? Je sais que ça. Pourquoi ça ronfle? Ah, c'est peut-être la cité là-bas. Je m'en rappelle de celle-là. Là, il y a des trous du cul. Il y a un campement de trous du cul qui n'est pas gentil. Tiens, regarde. Je te tranche ta gueule. À la récré. Tiens, tiens. Bon. J'arrive à leur faire des dégâts quand même. D'ailleurs, on va ramasser ce qu'il a sur lui, tiens. Rien à foutre. Sans scrupule. Non, pas ça. C'est toi que je veux. Ah d'accord, il est comme ça, lui. Il a pas de respect, quoi. Là, je l'ai estropié, donc il a mal. Il saigne, il est fatigué, il est pas bien. Il est mort. Il est mouru. Maintenant, on va pouvoir le fouiller. Calme-toi. Il avait que dalle sur lui, c'est une merde. Attends, on va serrer celui-là. Ah! Bon, bien sûr, quand t'affrontes des ennemis, tu gagnes en niveau. En fait, quoi que tu fasses, tu gagnes en niveau. Même en marchant. En ramassant, en farmant, tu gagnes des niveaux. T'as quoi, toi? Allez, je prends, vas-y, je m'en fous. Vous avez un coffre, normalement, ici. Il y a peut-être même des tambourins que je peux piquer. Parfois, tu cliques sur un crâne, ça te donne des trucs aussi. Par contre, je sais pas où est votre coffre, et ça, j'aime pas ça. Vous n'avez pas le droit de me faire des blagues comme ça, moi je veux votre coffre. On va pas aller là-dedans. Ah, il est là le coffre. Merci, allez, j'ai tout pris. Aïe, aïe, aïe. Donc chaque ennemi a son niveau, entre guillemets, donc du coup, ne sera pas affecté par les mêmes choses. C'est quoi qui est tombé? C'est sa tête? Ah, c'est sa tête. Bon, voilà. Je lui ai fait un peu trop d'effet, je pense. Donc là, c'est un truc en os, il me semble que j'ai eu. Gourdin d'Arfari. Bon, allez, vas-y, soyons fous. Et du coup, toc, toc, toc. Je dis souvent toc, hein, je sais. Ça, on prend, c'est bien. Ça, on s'en fout. Ça, on mange. Merci. On a de la pierre de fer. On a ça. Automatiquement, ça fait du poids. Donc, on va arrêter nos conneries de tout ramasser. Et là, j'avais déjà utilisé le truc, donc j'ai pas pu le mettre dessus. Allez, merde. Voilà, merci. On s'est déjà usé, hein, automatiquement. Donc, moi, je vous fume. Elle s'en fout. Bah ouais, elle me voit pas. Oui, c'est un peu de la merde leur épée. Bon, elle s'en fout là, je peux plus l'attendre. Ok. Et toi? Tu t'y attendais pas à celle-là. Hein. Tu m'as pas entendu venir. Hein. Il nous a fait. Oh, il nous a fait un truc de ouf! Oh, les pauvres. Bah oui, bah. Sûr, quand tu commences à activer le fait d'être discret. Les réactions de l'IA sont plus les mêmes. Donc ne jetez pas la pierre au jeu. C'est pas de la faute du jeu, c'est parce que je suis en mode furtif. Du coup ici, on s'en fout, on va tout droit. Un gnou, c'est un gnou ça. Je vais t'assommer la gueule. J'ai fracassé son armure. Il n'a pas apprécié, je crois. Voilà, allez. On va se mettre quelques points, histoire d'être un peu moins pourri. L'encombrement. Ça, c'est important. Donc, automatiquement, on peut porter plus. Ah, c'est pratique, hein. Quand tu n'as plus de stamina, automatiquement, là, c'est open bar. Hein. Voilà, par contre, j'ai fait très le con, j'ai oublié que j'étais pas en god mode. Voilà, vous voyez qu'il y a des dégâts de chute, au moins ça vous évite de faire n'importe quoi. Et si on va sur la main, on débloque un emote. Je vais y aller, tiens. Je m'en souviens de ça. Hop. Ouais, il y a un truc ici. La main du faiseur. On a appris, viens ici. Et viens ici. Il a sauté. Bon, on va sauter aussi, vous inquiétez pas. Viens ici, c'est ça. Viens ici, coquinou. Hey, hey, hey. On va sauter. On va sauter, mais en fait, on va crever. Il n'y a pas assez de fond, là. Non, je saute pas, en fait. Pas envie. On se casse. On se casse. Oh. Voilà. Vous voyez, c'est facile de tomber sans se vautrer. Il faut juste réagir au bon moment. Donc là, c'est par là. Salut, toi. Ah, bande de saleté. Ah, vous dites plus rien, là, hein. Tiens. T'as tué Mufasa, salope. Pardon. Enfin, t'es responsable, en tout cas. Ah, la végétation augmente, hein. Comme j'avais dit, les biomes changent. Ah, il y a un camp là. Ouais, bon, de toute façon, on craint rien. Salut les trous du cul. Ah, un porteur. Ça, c'est mortel, les porteurs. Ultra pratique. Bah, ça porte à ta place si tu commences à les domestiquer. Parce que tu peux avoir des esclaves dans le jeu. Je parlais de suivant tout à l'heure avec des animaux, mais tu peux aussi... Oh putain, elle est pas dégueulasse en plus, celle-là. Oui, on sait de quoi on parle hein, quand je dis ça, mais... Bon, elle encaisse par contre. Un petit sac à PV. En même temps, avec l'arme de merde que j'ai. Mais elle est clairement pas dégueulasse. Donc tu peux l'assommer et avoir une corde pour les esclaves, et tu la mets dans une roue d'esclaves, et puis voilà, tu l'as, tu vois. Mais... Et c'est une... elle a mal au ventre. Je pense que je lui ai fait mal, quand même. Jabal Sai... Zingarien 3. Faudrait que j'essaie de la trouver, celle-là. Donc ça, par contre, quand tu le prends, tu l'as sur toi. Et là, après, tu l'ouvres. Et alors là... Voilà, tu ramasses plein de trucs. Et du coup, bah, t'as vite besoin du code administrateur pour monter ton poids. Hop, on spamme un peu le bouton. Il faut le spammer quand même pas mal. Là. Parce que j'ai un peu ramassé beaucoup de trucs. Là, on avait combien? C'est bon. Oh! C'est facile. Ah bah voilà, on a de quoi faire. Là. Tiens, allez, je prends tout. On s'en fout en fait, excusez-moi. C'était une aparté. On va continuer tout droit. Hop là. Ah oui, ça fait mal, je sais, je sais. Il faut que tu boives et que tu manges. Non, je sais pas, on s'en fout. On s'en fout. Il s'en fout, apparemment. Après, ça sera post-clope. Je vous poserai tranquillement en haut d'un rocher, là. Vous allez bronzer. Oh, des fibres. Putain, le mec surtout. Il ramasse des fibres alors qu'il a déjà plein des trucs. Là-bas, c'est pas la route. Là, c'est la route. Ça, c'est méchant. Ça aussi. Ouais, je peux aller vous montrer la reine machin truc et tout ça, là. La reine rouge, je sais plus comment ça s'appelle, là. Mais bon, ça sert pas à grand-chose. Là, ça vous apportera rien. On va pas aller par là, on va aller là où il y a les statues, parce que sinon je vais me faire chier pour passer. Et ça va me faire passer par la jungle avec les araignées, et les araignées, ça me fait peur. Là, on a un passage qui passe en dessous de la falaise. On va trouver ce passage-là. Il faut que j'ouvre une autre bouteille de vin, moi. Et tout à l'heure, je finis d'installer The Division. Et ça sera The Division. Ah, regardez le biome. Ah, c'est plus savane. Mais pas les gâteaux, hein, mais la savane, quoi. Et les animaux s'attaquent entre eux, selon les espèces. Donc ça fait très mal. C'est un peu dur à tuer, c'est long, quoi. Ça fait très mal. Ça fait vraiment très très mal. Et c'est chiant à tuer. Oh, ils s'entraident, c'est mignon. Donc là, vous voyez, je suis mort. Il m'a pas vu, mais il a pas fait exprès, en fait. Donc, voilà. Oh, c'était beau ça. Du coup, quand c'est comme ça, tu vas là où t'es mort. Si tu t'en souviens, c'est là. Je vais là et je vais récupérer mon matos. Où est mon corps? Bande de petits cons. Vous n'avez aucun respect pour moi. Hein. Je vous laisse vous démerder pour la peine. Bon. Les panthères, ça fait très très mal. L'éléphant, comme vous le voyez, il m'a défoncé. Voilà, c'est... Tu t'habitues après. Lui, par exemple, c'est un costaud. C'est 3. Ouais, voilà, c'est ça, c'est 3. Lui, il fait mal. Donc, on va pas aller le voir. Pas en mode... hors que ce mode-là, quoi. Il faut continuer un peu tout droit. T'as un coffre ici, je m'en souviens. Il te faut une clé, je crois. Ouais, c'est ça. Il faut une clé. Après, tu les trouves, les clés. Hein. C'est pas ce qui est gênant en soi. Par contre, ouais, j'ai fait le con. Ouais, c'est bon. Le passage n'est pas ici. Il est un peu plus loin, je crois. Ouais, c'est un peu plus loin. C'est à l'autre statue. C'est ouais, c'est à peu près ça. Plouf. C'est pas là. Là, il y a encore des panthères, des tigres. Ouais, c'est par là, c'est bon. Je m'en souviens. Bon, bien sûr, les vêtements ne se mouillent... Ah bah si, ils se mouillent un peu, je crois. Il s'est assombri. Enfin bon, je sais plus. Ça, c'est le genre de détail, j'ai oublié. Mais clairement, ouais, le jeu est beau. Enfin, pour moi, il est beau, surtout vu le potentiel qu'il a et le contenu, en fait. C'est ça le plus important. Voilà, on passe au bassin brisé, c'est ça. Au bassin brisé. On passe au bassin brisé et du coup, on va arriver direct vers le nord, qui est la plus belle zone pour moi. Ça, avec la zone des pirates, là où je m'étais installé après. Je kiffe la zone des pirates. Elle est magnifique. Je vais m'y TP, comme ça, vous verrez ce que ça donne. Oh, Pumba! Ce très jeune facochère. Tiens. Bon, on va le laisser tranquille. Il n'a pas apprécié la blague. Donc voilà, oui, le biome change. Et c'est très très beau. Et c'est sans mode. Quand tu commences à mettre des modes, alors là par contre, là, ça à côté, c'est dégueulasse. Non, c'est quand même beau. Mais je veux dire, on franchit des caps, là. C'est pas pareil. Ça, c'est quoi? C'est pas le loup funeste? Je crois que c'est funeste. Je sais plus ce que c'est, putain. Je cherchais tout à l'heure pour le loup, là. Mais il y a un truc. Mais il y en aura un, parce qu'il y en a un ici, à chaque fois. Il est là ou en dessous du pont. Il est là. Petit con. Ouais, mais je vais pas pouvoir te tuer comme ça, toi. Parce que tu vas trop encaisser. En plus, tu fais trop mal. Heureusement que tu peux pas me toucher. Mais lui, du coup, tu ramasses une tête si tu le fumes. Là, je lui ai brisé ses pattes déjà. Voilà, on s'en fout. Là, il y a 3 trous du cul. L'aqueduc nord, c'est ça. On a 3 trous du cul ici. Voilà. Ouais, bah, je connais un petit peu, mais ça revient doucement, quoi. On a des chevaux qu'on peut apprivoiser. C'est des poulains. Donc, automatiquement, tu les prends avec toi, tu les portes. Regarde. Hop là! Je porte un poulain. Alors, pas en moi, hein, mais il est sur moi, quoi. Et là, du coup, tu peux le domestiquer, etc., pour qu'il devienne ton cheval, quoi. Et là, tu te déplaces à cheval. Et là, du coup, t'as la classe. Surtout si t'as des chevaux, tu sais, genre, en mode de ouf. Donc là, c'est où on s'est installé la première fois. On a fait toute une ville, ici. Ah, c'est quand même plus beau que sur console, hein. Putain, il est vraiment beau, là. Même la zone, tu l'apprécies davantage, en fait. Ah non, c'est beau. Ouais, clairement, c'est beau. Celui qui me dit que c'est pas beau, ça, je comprends pas, moi. Comment on va se mettre pour faire un beau screen? Mais du coup, c'est bizarre avec le truc de la caméra, là. Là, je fais le con, vous voyez. Je vois pas comment ça marche, du coup. C'est bizarre, le déplacement. Je crois que c'est pas V, la touche, mais je sais plus c'est quoi. Donc là, je suis en train de faire tout à l'envers, c'est un peu le bordel. Hop, on va se mettre comme ça. Et on tourne. Voilà. T'as un peu la dalle, là. Je te comprends. Il y a un mode vue libre. C'est pas ça. 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 Je sais plus c'est quoi. P. P. C'est pas ça. 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 Non, ça doit être V. Bon, par contre, il est chiant, faut qu'il se nourrisse parce que sinon il va avoir l'air de crever à tout instant et c'est chiant. Ça fait dégueulasse. On a une tête du coup, une tête de coudou. Tu vas te remettre ou c'est comment? C'est pas grave, je fais le screen. On s'en fout. Mais donc voilà, ouais, la zone qui est sympa, c'est celle-là. Hop. Et on va aller... Bon, la distance d'affichage, tu peux pas l'augmenter de toute façon. C'est imposé par le moteur graphique du jeu. T'as pas trop le choix, mais bon, quand tu commences à construire et tout, ça, tu fais plus trop attention à ce genre de détails là. Tu profites juste du fait que c'est magnifique. Les éclairages, tu les vois quand même plus loin que sur console. Ils ont quand même bien bossé sur PC. En même temps, le jeu est sorti sur PC à la base. Donc, du coup, ils ont plus de mérite à avoir bien bossé sur console. Mais sur console, c'est quand même vite casse-couille parce que t'as vite des limites en fait. Ah, les nanas qui m'attaquent à chaque fois, tiens. Je t'ai brisé tes tibias. Aïe! Donc t'as ouais, des sources légendaires, t'as tout ça. T'as des mammouths géants. Alors attends. Je vais vous montrer. Si je vous montre pas, ça sert à rien. On va se mettre en volet. On va se mettre en... Mon Dieu. Et on est bon. Et du coup, après, tu peux voler plus vite. Tu spams ta flèche haut. Pratique ça. Hop, allez, monte, 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 monte. Voilà. Donc là, c'est où on s'était installé avec la Ragnarok. Voilà. Toc, toc, toc. Je dis souvent toc. Hein. Enfin, je sais. C'est un toc. Voilà. Là, tu as des gros animaux. Comment il s'appelle? C'est Sully. Non, pas Sully. Je sais plus comment il s'appelle dans l'âge de glace. Mais bon, voilà. Tu as l'âge de glace, là. Tu as des tigres à blanc de sabre aussi, donc tu peux te faire une photo sympa. Je l'avais faite d'ailleurs, je crois, cette photo-là. Ensuite, du coup, là, tu commences à monter dans le froid, là. Donc là, si t'es pas bien couvert, bah, tu crèves vite. Voilà. Là, tu as des trous du cul. Ici, tu as une grotte cachée géante qui est dans la montagne, qui te permet d'atteindre la jungle. Donc nous, on va aller dans la jungle directement. Si tu passes le mur, là, sans mode, tu crèves. Ça, c'est clair. Donc on va éviter. C'est la limite de map, hein. Donc avec le mode, tu t'en fous, mais sans le mode, tu t'en fous pas. Voilà, on continue à progresser. Ici, c'est pas mal, c'est joli aussi. La petite ruine, là. Là, t'as beaucoup de... Comment ça s'appelle déjà? Fleurs d'aloe ou je sais pas quoi, là. Ça permet de faire des potions. Il me semble que c'est ça. Hein. Ouais, c'est le lotus, pardon. Bah, aloe. Donc lotus, l'île de Télite, c'est ça. Je me souvenais du nom, mais du coup, j'ai pas osé. J'avais peur de dire une connerie. Par contre, attendez. C'est pas par là, on va éviter de sortir de la map. Ah. Ça fait longtemps, hein, donc pour me repérer c'est un peu plus compliqué. La dernière fois que j'ai joué, c'était modé de partout, donc déjà ça pose un peu problème pour te souvenir. J'ai tellement vite que j'arrive même pas à anticiper le mouvement. Voilà. La map est très grande, hein, comme je le disais. Hein. Et là, on va atteindre la jungle. Qui est pas loin. On y est. Voilà. Là, on y est. Pas le même climat, il fait, c'est plus tempéré, c'est mieux. Moi, j'aime bien. Donc, franchement, je kiffais ici. Niveau ressources, c'était bien. Bon, t'as des serpents géants. Après, les serpents géants... Tu les bouffes. D'un moment. Il est où? Il est pas loin là. Il y en a un ici. Ah bah là. Il est petit celui-là. Ça c'est petit. T'as beaucoup plus gros. T'as bien plus gros que ça. Alors c'est pas le moteur graphique qui te limite hein, au niveau de l'affichage, là c'est parce que la zone est comme ça, il y a une brume. C'est le temps qui fait à ce moment-là, je pense. Voilà, c'est là où je m'étais installé en dernier, en jouant à RP. Là t'as le boss, Alligator, qui est costaud aussi mais qui te donne une arme légendaire à chaque fois, avec plein de petits bébés. Tu peux lui voler ses bébés et après tu t'élèves des bébés Alligator. L'autre il se sauve parce que j'ai volé un bébé. Calme-toi, tu viens avec moi. Crocodile, pardon, pas Alligator. Et donc ouais, je m'étais installé là, j'aimais bien ici. Je pourrais peut-être le faire là, je sais pas. Bon, de toute façon, je jouerai sur le serveur RP, je jouerai pas sur cette session-là, c'était vraiment pour vous montrer. Et pour vous dire que du coup, sur ma chaîne YouTube, de toute façon, si vous allez sur la playlist, vous aurez une vidéo qui montre un petit peu à quoi ressemblait le serveur RP au moment où j'ai fait la vidéo. Avant qu'ils aient déjà bien avancé et fini même certaines choses très conséquentes. Donc... Ça vous donnera un aperçu, mais en fait, c'est plus Conan. Tu redécouvres le jeu complètement et ça te crée des nouvelles histoires. Parce que tu peux créer des espions. Donc, c'est un genre de PNJ, mais que tu programmes totalement avec des dialogues prédéfinis en fonction de ce que tu vas lui répondre, etc. Enfin, c'est un jeu dans un jeu. C'est du mode, mais pas du mode comme on connaît sur console, quoi. On en est à 10 000 km. Donc, voilà. Là, ici, tu peux acheter et te faire du commerce avec les pirates. Ils n'ont pas tous envie de te buter, même s'il y en a qui le feront. Là, enfin, ouais, t'as plein de trucs à faire dans le jeu. La map est immense. Donc, t'as même un volcan géant. Si t'as envie de t'y risquer, tu peux y aller, tu vois. Tu vas là, par exemple. Je vais essayer là. Bon, automatiquement, ça va m'enlever le mode vol, pardon. Mais voilà, ça permet de voir le volcan, quoi. Je me suis peut-être pas fait apparaître où il fallait, mais on s'en fout. Attendez, je vais le mettre en mode vol à nouveau. Là, j'ai très chaud automatiquement. Voilà, là, on est au volcan. À la fin du jeu, entre guillemets. T'as plein de trucs à voir, hein. Après... tu fais ta vie, tu fais les quêtes avec tes potes, et puis voilà. Ah, ici, tu as énormément de quoi tamer. Hein. Bon, elles sont toutes avec le TT à l'air. Bon, il y en a des un peu moins bien lotis que d'autres. Mais ouais, tu as beaucoup de quoi tamer. Donc, on va avoir des esclaves. Tu as des très bons esclaves ici. Bon, après, il faut pouvoir y aller, il faut avoir ce qu'il faut comme potion pour pouvoir survivre à la chaleur extrême. Ben voilà, c'est pas si simple que ça, quoi. Là, tu vois, il fait très très chaud. Mais clairement très très chaud, quoi. Mais t'as quand même de quoi y aller, hein. Si tu veux y aller, t'y vas et tu récoltes tout ça. Ça te donnera... Merci. De l'obsidienne. Quand tu commences à te faire des armes en obsidienne, t'es bien, tu vois. Après, t'as d'autres matériaux, mais l'obsidienne... Le puits de Skelos. Et là, du coup, j'ai fait... Bah, j'ai fait que je suis dans le puits de Skelos. J'y suis jamais allé. Et hein, on a beau se mettre en mode admin, on fait pas toutes les conneries qu'on veut. Voilà, je suis passé au puits de Skelos. Qui va là? Bah, c'est moi. Tu me connais, hein, j'ai fait du temps ici, mais je suis jamais venu. Je suis pas un humain, je suis Conan. Enfin, non, je suis un pote à Conan. Oh putain, alors ouais, alors j'espère que vous avez fermé les yeux, hein, ceux qui connaissent pas le jeu, allez pas ici. Ah, je vais crever parce qu'il faut pas que vous puissiez voir. Je suis vraiment désolé. C'était pas prévu que je vois tout ça. Bon. Là, on est dans une zone où il y a beaucoup de boss, beaucoup de trucs à ramasser, des parchemins, les machins, les trucs. Mais bon, après, t'y vas pas quand tu connais pas. Enfin, si, t'y vas si tu veux, mais tu crèves. T'as des trucs, t'es obligé d'escalader tout ça et de te foutre à poil pour t'alléger. Sinon, t'arrives pas à monter jusqu'en haut, même si t'as l'endurance à fond. Enfin, voilà, il y a plein de petites particularités comme ça. Et c'est vrai que c'est mieux d'être guidé par des personnes qui connaissent que par des gens comme moi qui ont oublié ou par des gens qui n'y connaissent rien. C'est ici qu'il y a la reine machin truc là, où j'aime bien prendre sa torche. La torche de la mer rouge, voilà, c'est la mer rouge, la reine. La reine morte, j'allais l'appeler. Bon, ouais, elle est morte au final si t'arrives à la tuer, mais bon. Faut déjà la tuer, quoi. Elle crache son feu, là, elle te fait chier. Là, t'as plein de trucs, hein. T'as vraiment beaucoup de contenu. Et ici, il y a plein de squelettes. Oh. Voilà, les squelettes. Salut les trous du cul. Oh, mon copain. Il me fait penser à Prometheus, lui. Oh, avec la molette, tu pouvais zoomer, ouais, c'est ça. Ok. Voilà, lui, tu lui parles. Raconte sa vie, puis voilà, mais je sais même plus comment on fait. Voilà, tu lui parles, c'est bien. Merci, salut. Voilà, c'est des zones où tu y vas, t'es maudit, entre guillemets, donc il faut te purifier après. C'est que ça, voilà, bah là je suis maudit. Corruption en hausse, voilà. On s'en fout. Ouh, c'est un bruit de serpent ça. Il y a un boss ici. Ah bah tiens, il y a les bébés serpents. Salut bébé. Il est un peu plus gros, vous voyez. Je vous avais dit qu'il y avait des plus gros. Un 3 têtes. Tiens. Je crois que je t'ai jamais vu, toi. En plus. Je suis jamais allé ici. Ou alors je m'en souviens plus. Ce qui est possible aussi. Et il faut le tuer du coup pour avoir le coffre. Et quand tu ramasses le coffre, bah, t'as souvent une arme de bâtard ou un bouclier de bâtard ou un truc de bâtard. Mais bon, après, il faut le tuer aussi. Hein. Tout seul, c'est un peu de mal quand même. t'as des donjons, t'as plein de trucs à faire en fait. Ça c'est pas un donjon, c'est même pas ça en fait. Quand tu joues RP, tu utilises des monnaies, tu vois, t'es pas obligé d'utiliser cette monnaie-là, d'ailleurs l'or et l'argent, tu utilises autre chose. Et voilà, il y a plein de choses. Hop, merci, salut, bisous, au revoir. On va se mettre là. Non, pas là. Je sais plus. On s'en fout. T'as la ville de Conan aussi. Assez permis rue. T'as plein de trucs. Oh, l'effet de lumière. Putain, on n'a pas ça sur console par contre. Là, je vous le dis tout de suite, on l'a pas. Ça, c'est clair. J'aurais pas dû faire ça. Je vais d'abord enlever ça. Et là, je vais me faire ce screen parce que l'effet de lumière comme ça, clairement, on ne l'a pas. Hop, voilà, c'était l'histoire de... Hein. Merci. Bon, je vais continuer à finir de télécharger The Division. Et après, j'ai vu l'heure. Et je ne vois plus l'heure. L'heure, il est 2h38. Après, vu l'heure, ouais, je me mettrai sur The Division. Du coup. Au cas où, si je reviens sur cette session quand même, je me retéléporte à ma paillasse. Là, c'était plus pour la cause hein, quand même que je vous ai montré tout ça. Ma paillasse, je l'ai mise où? Ah ben, bah, putain, je suis vraiment pas allé loin. Hein. Enfin, je suis pas allé loin. Hein. Enfin, je me suis pas posé loin, quoi. Bien sûr, dès que tu quittes, après, le mode admin est désactivé, donc je pourrais profiter sans avoir de l'aide. Là, j'ai ramassé des trucs que j'aurais jamais dû avoir, donc au pire... Quand c'est comme ça, tu vas ici, voilà, tu vires, merci, ouais, c'était ça, c'était X, vous voyez, j'avais oublié, ça tu vires, et là tu vires, c'est l'hymen, lâcher, c'est ça, hop, oh, franchement, les lingots je devrais pas en avoir, ça non plus, ça non plus, ça logiquement je devrais pas en avoir, mais rien à foutre, c'est de la bouffe et j'ai envie de manger un truc bon. Ça je devrais pas en avoir, ça non plus, 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 ça aussi éventuellement. Les flèches, ouais, ça hop hop hop, voilà, voilà, c'est déjà un peu plus raisonnable et tu réorganises un peu. Toi, tu viens pas ici, sinon je te bouffe. Ah oh bah, elle m'a pas vu le voler. Merci. Ça, on le vire. Donc, tu peux pas le faire cuire vivant, le truc. Hein. Faut pas se leurrer non plus. Et il est valable que 23 heures après, enfin 24 heures après, il crève. Donc, il faut vite le mettre dans un frigo, comme ça, tu le gardes. Ça, on met là, ça, on met là. Ça on mange. Je vais manger ça aussi. Merci. Et on lance le four. Voilà. Voilà le principe. Donc là, si tu veux, tu utilises un émote, si tu as envie de te coucher, de façon réaliste. Donc tu fais ça. Et tu fais ça. Et tu t'allonges, peinard. T'as envie de te mettre à moitié à poil pour le faire, tu fais. Enfin, tu fais ce que tu veux, en fait. Et là, tu peux te faire attaquer s'il y a des ennemis à proximité ou s'il y a d'autres joueurs avec le PVP est activé, bien sûr. Hein. Donc, tu peux pas non plus te poser n'importe où et faire n'importe quoi. Hein. Et voilà. Voilà le concept de ce jeu de ouf que j'adore. Et auquel j'ai joué pendant, bah, comme j'ai dit, des milliers d'heures. Vraiment des milliers d'heures. Sur console, ouais. Je sais pas comment on peut voir le compteur, mais c'est sûr et certain, parce que j'y jouais plus de 20 heures par jour, parfois. Donc, je dormais pas. On remerciera la morphine. Bon, allez. Voilà, je vais finir de télécharger mon jeu. Donc, The Division 1 sur PS4 Pro, parce que ça me manque, et j'ai envie de le montrer. Parce qu'il avait été bien embelli avec les mises à jour, donc pourquoi pas. Et dès que je peux, je retélécharge tous les modes, pour être sûr d'avoir les bons, et ben, je jouerai sur le serveur RP. Comme ça, là, vraiment, quand je ferai des directs, vous verrez à quoi ressemble le serveur RP et ce que ça change, parce que ça apporte beaucoup de choses. Je vous dis à plus et...